Continuez à être branché sur votre chaîne. Merci de continuer à vous abonner massivement et à partager nos émissions sur le multiple de vos plateformes, des réseaux sociaux, afin de pouvoir nous soutenir et nous attirer de nouveaux abonnés. Voilà, maintenant il est question de parler de la nomination de Jean-Pierre Bemba Gombo, madame, messieurs, en qualité de vice-ministre, ministre en charge de la défense du pays. On va parler d'abord de celui qui va sortir parce qu'il n'y a pas encore eu. Remise et reprise, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Pierre Bemba arrive à quel moment de la situation sécuritaire au pays, mais aussi cette histoire de l'économie, hein? On va y revenir à tout moment, comme demain par exemple, on aura des moments où on vous accordera le temps de pouvoir réagir et nous donner vos impressions et ce que vous pensez de ces nominations. Président de la République, a-t-il nommé Jean-Pierre Bemba? Ministre ya défense peuple congolais Sengeli Touéba na kobeta mwa lisolo muke na o etali Jean-Pierre Bemba na o etali profil ya Bemba na o etali pe mingi mingi bitumba bandeko balandi ya cette news bandeko balingi kozonga na Rwanda te koki kobuna na kati ya arme na mboka na bango balingi kosakroche na Kongo mabele na bango te ata ya nyongo te ata eloko moko te balingi kokanga makaa na Congo esengeli bandeko moto defense balakisa bango ke Congo eza mabele ya koteka te okoki kouta na minuscule ya pays lokwa Rwanda oya kosakroche na Congo ekosimba te nde mosala ya bandeko moto defense tootiela bino baimage au cours ya émission to partager émission peuple congolais to banana na Christophe Lutundula oyo auti kozala reconduit a tenir moi discours moi échange mon comme y a beaucoup na ba travailleur y a ministère des affaires étrangères lelo à l'occasion y a renouvellement y a mandat na yeto ko tia Christophe Lutundula maintenant et puis toi ba na ko continuer na ba information nos tous na ngo dossier kingakati kingakati pito mon pesa ya ko pela peuple congolais bakamuza ya ko beba ni bonga za ko yinda soko ko kite obimi awa moi na mboka Jean-Pierre Bemba koti dossier. Et c'est une mouton na mouton mi ebe la position. Ni chaud ni froid, bako kangayo. Il faut la position claire. Filimbi, a outi ko benga na batou na parti na ye, peuple congolais. Plutôt na mouvement na ye. Filimbi, e zali mouvement citoyen. A outi ko benga na deux membres, deux protagonistes, ya eloko na ye, ya groupe na ye, ya mouvement na ye. Pona ni ni po basali association na Rwanda ya. Comment on a dit? Là, ni manga chouchou. Là, c'est ça qui vient de voir qui va mitouer Kokoya. Awa filimbi, ayoki ke, bako kanga batu e bele, alobi, a liya za trompe na kati ya dossiété, a si a mi bengani, deux complices ya manga chouchou, na ba agent, ba ne koi ba information na filimbi, ba ko pesa la M23. Bazara mi ba ete bro benga na sousou e bele, baza e bele. Zara na filimbi te baza partout. Baza partout bako bima. Dossier manga tout choba mitre ko kwena sina lobaki ya mona ko tiaba déclaration ya batu ya filimbi awa na émission peuple congolais to banda nan na Christophe Lutundula o ya soli lelo na ba collaborateur na Elanda. Attends, la bino parce qu'il y a un peu de bruit de fond dans la vidéo. Alors bien, il y a espace à ça la mosala. Naza ko sambe la nzambe bitumba ya M23 Rwanda et si la noki na kota na kati ya ministère po tota la ba problème na bino ba agent. Awa elongo na bino nde to yebi na kozwa renouvellement ya confiance et pa na mokondi ya mboka.
nzamba pambola biso apesa biso makasi ya kokontinue kosala mosala mpona kokende liboso ya mboka na biso. Ezali déclaration na langue nationale mpona koyebana kokominue na bandeko na ye Christophe Mutundula oyo azali ministre ya affaires extérieures ya mboka na biso. Bravo. J'ai toujours dit, j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour cet homme que je trouve très intelligent, même si de temps en temps, il y a des histoires de diplomatie, on fait ceci, on fait cela, mais il reste un homme très intelligent et je ne l'imagine pas au sein d'un parti comme Ensemble, parce que là, c'est des gens qui sont intelligents, sont des porteurs, des mal-être, tout ça, donc je ne vois pas Lukundula faire ce même travail-là. Et du coup, j'ai soutenu le fait que quand les gens de Katumbi ont quitté l'Union Sacrée pour rejoindre un individu, il est resté aux côtés du peuple congolais, de l'État congolais pour travailler pour le bien de son pays. J'ai beaucoup apprécié et c'est parmi des gens que je soutiens. J'ai dit également bravo à lui pour les renouvellements de son mandat. Et voilà, bon vent, bonne chance, beaucoup de sagesse de la part des dieux pour pouvoir amener à bon port ces bateaux qu'il conduit aux côtés du président Tshisekedi. L'histoire retiendra que depuis 2008 jusqu'en 2022, le Congo a été placé sous régime d'embargo par les Nations Unies. Et c'est grâce à l'arrivée de Lutundula aux côtés du président Tshisekedi que cette mesure de la part des Conseils de sécurité de l'ONU qui visait à empêcher la RDC à se procurer des armes pour défendre son territoire national, cette mesure a été levée grâce aux efforts du président Tshisekedi soutenu par son ministre des affaires extérieures qui est Christophe Lutundula. Il rentre dans l'histoire, pas dans l'histoire sombre du pays, notre pays. Donc, continue l'actualité, peuple congolais. Bandeko Balandia, Chancela, Tchala News, Jean-Pierre Bemba, Toko Nobela, Onanou. Et puis, Toko Kena Est, et pour la cause de l'image, il y a un bombardement, il y a autodéfense, ou il y a malam, ou il y a sali. Ou il y a malam, ou il y a sali, pour la. Bola mwamboka pona pour imposer kimia na mboka ya bakoko na bango. To partager émission s'il vous plaît pour na bande comme sous soupe ba ba na kozo opportunité ya ko se joindre na biso na émission awa. Alors, qu'est-ce qui se passe Bemba ba nomeye? Je vais rappeler d'abord la petite histoire avec Jean-Pierre Bemba et par la suite on va avancer na ba enjeu au réseau kozelaye na niveau ya ministère oyé azui. Alors, peuple congolais, Jean-Pierre Bemba, je le disais tantôt je crois hier na il y a pas à minuit ou une heure là quand je faisais l'émission, je le disais que Jean-Pierre Bemba azali muto bakanga qui na ce pays pour des raisons que nous ne maîtrisons pas jusqu'à aujourd'hui à cause de ya haine à cause ya nyonso oyo Congo ayebaki na kosa nini ayebaki na ko accepter ete ce pays atia maboko likolo ya Jean-Pierre Bemba malgré ba preuve de la qui insuffisante. Il fallait à tout prix éliminer ou anéantir un partenaire, un adversaire plutôt, un adversaire de taille, un adversaire qui fait peur. Nabato Bazaki n'a pouvoir. Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, la seule personne qui lui faisait autant de peur, Zaki, Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, pour s'installer paisiblement, pour continuer au travail de la présidente de la République, il fallait écarter tout ce qui était dangereux pour lui, et y compris Jean-Pierre Bemba. Oui, puis tout, bah oui, ça m'a dit qu'il y a 6 jours, dans Kinshasa, 3 ou 6 jours, dans Kinshasa, ouais, entre Soda et Bemba, Soda et Kabila, mais si grande force et Mekanzoto, hein, tout le monde a qui dégagé ni Bemba, ça qui va exploiter, même s'il y a eu des morts, nous regrettons, et si la justice veut ouvrir un dossier, nous ne sommes pas contre, mais on est juste en train de rappeler l'histoire. S'il y a eu quelqu'un qui a terrifié Kabila pendant qu'il était au pouvoir avant Bakangaye, c'était Jean-Pierre Bemba. Mais maintenant que Jean-Pierre Bemba est nommé ministre de la Défense, dans un moment très capital, très fondamental et crucial pour l'histoire sécuritaire de notre pays, il est appelé à pouvoir s'affirmer, à prouver aux yeux du monde qu'il n'a pas perdu ses qualités de guerrier et d'un homme déterminé et fort capable de combattre dans n'importe quelle situation. Je vais balancer une de ses vidéos, pour vous comprendre comment il mobilisait ses troupes pour barrer la route à Kabila et au RCD Goma. À l'époque, pendant que les RCD Goma avaient détruit le Congo à travers l'Alliance Nabango, Tangbaumi, Laurent Désiré, tout ça, il a mobilisé ses troupes pour barrer la route à Joseph Kabila pour Joseph Kabila pourrait hériter de la même chose pour empêcher Nini, pour empêcher Té, Mbokeza, Nakimia. Alors, Jean-Pierre Bemba, analyser. Est-ce que le poste qui lui a été confié, c'est un poste pour qu'il se venge? En tout cas, si c'est le cas, il n'y a pas de problème.
Donc soit la soda, Jean-Pierre va pas aller ancien soda, bah il va retourner les Cambodges là-bas, mais Bali, oui, à côté abîmé. Mais maintenant, pour quel intérêt le président va placer Bemba là-bas pour s'évenger de Kabila pendant que quand ils étaient en conflit, le président Tshisekedi n'était rien pour le pays. Ça, c'est la question qu'on doit se poser tous. Avec quel intérêt, avec quelle intention le président va placer Bemba pour se venger de Kabila pendant que quand les deux hommes s'affrontaient, le président Tshisekedi n'était ni ministre, ni il n'était rien pour le pays. Mais vous savez, avec le coup bas politique, tout peut arriver. On n'exclut pas une possibilité de voir cette histoire-là arriver. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dans le temps, on comprend mon côté, mais je sais que vous êtes plus intelligent pour me capter de quoi il s'agit. Tout partager l'émission. Un jour, je suis allée quelque part. Quelqu'un me raconte une histoire. Oh non, Chancela, j'apprécie beaucoup tes émissions, mais il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, je vous écoute. Oh, voilà. En 2022, là, vers le milieu, tout ça, il y a eu quelqu'un qui n'aime pas tel politicien, qui a envoyé ses agents, des gens qui étaient investis des pouvoirs spirituels pour aller neutraliser son ancien adversaire. Ils sont allés jusque dans la ferme ou quoi là. En arrivant là-bas, l'ancien adversaire en question, il avait également des ganga ou des histoires comme ça qui lui ont dit qu'il devrait quitter la ferme rapidement avant que ces gens n'arrivent jusqu'à la ferme parce que s'ils arrivent là-bas, ils vont les tuer. Et le monsieur avait fui, il s'est déplacé. C'était à Kinshasa, ça se passe à Kinshasa. À quelques kilomètres de Kinshasa. Le monsieur a pris fuite. Et il a pris un bon moment à l'intérieur du pays où il s'est installé pendant plus de 5 mois en fuite de cette situation-là. Maintenant, il semble que le monsieur en question qui avait envoyé ses agents spirituels pour attaquer son ancien adversaire politique, c'est celui qui est nommé ministre de la Défense. Il semble. Mais maintenant, cette histoire-là, vraie ou fausse, j'espère que vous avez déjà capté de quoi il s'agit. Hein. Je ne sais pas si ça sera profitable au président ou au pays de pouvoir envoyer quelqu'un pour neutraliser Kabila ou quoi, je ne sais pas, moi, le peuple congolais. Nous savons tous que Kabila a fait, a commis beaucoup d'infractions quand il était président. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé créer cette histoire de loi portant statut à l'ancien chef d'État. C'est parce qu'il sait personnellement que si il se laisse comme ça, à peine Tshisekedi prend le pouvoir, il sera poursuivi. Alors, il a voulu tout verrouiller pour empêcher à la justice de mettre la main sur lui. Maintenant, s'il faut utiliser d'autres moyens, est-ce que ceci peut être profitable au peuple congolais ou peut embraser les pays? Sachant que Kabila a contribué à la construction des États, des multinationales ou des États forts au monde. Kabila a donné des minéraux de gauche à droite aux gens qui ont fait de lui ce qu'il était devenu pour le Congo. Est-ce que ces gens-là sont prêts à pouvoir lâcher celui qui les a tout donné au profit de Tshisekedi qui ne leur a rien donné? Je ne sais pas. Et ça, on analyse un peu, parce que dans le bas, on a voté tout le monde, on a mis tout le monde, espérant que Bato va vous en mailler les collègues, on va bien que tout ça va émission, on va répondre à la mission. Kabila a tout donné à l'Occident. Est-ce que l'Occident est prêt à lâcher Kabila au profit de Tshisekedi ou au thème, la Bango, on a déclaré ma cam contre Bango à travers l'attaque à ce sein de Kagame? Je ne sais pas. C'est avec Kabila qu'il y a eu autant de Rwandais aujourd'hui au sein de toutes nos institutions. Qui jouent les jeux de l'ennemi, qui jouent les jeux de Kagame et qui fragilisent nos institutions. C'est grâce à Kabila. Si aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba, qui hérite d'une armée qui n'est pas issue de sa formation, non. Bah ouais, il y a Bazali, quelques-uns Bazali, mais Ming Bazali au Kabila, côté ici de quoi, bah Rwandais. Nous savons qu'ils ont eu peur en entendant que Bemba est nommé ministre de la Défense. Et oui, que Babangi. Depuis que Bayo qui sont bon, mais maintenant jusqu'où Bayo qui sont bon. Est-ce qu'ils sont prêts à accepter que Bayo ordre au Bemba pour passer ça contre Mutoa contre vraiment la carte armée? Est-ce que Bayo prêt à poster là en gros? Tu y habites toi contre Bayo, bah mais tout là. Ils ont fait analyse, c'est tout ça là pour n'aco prévenir. On ne sait jamais. Aujourd'hui Kabila a brassé à mixer l'armée congolaise. Ils ont signé des accords il y a 2009-2013. Bah Rwanda, bah Tondi, bah Ouganda, bah Tondi la carte armée congolaise. Qui travaillent pour enrichir le Rwanda en violant, en tuant les Congolais, en les massacrant et en prenant des minéraux congolais, en le donnant gratuitement au Rwanda et en Ouganda. Ou à l'Ouganda. Maintenant, Bemba qui arrive avec une armée autant infiltrée,
Est-ce que c'est une garantie pour lui de prendre des risques de faire arrêter Kabila ou de neutraliser Kabila autant? Pas forcément les tuer, mais le mettre hors d'état de nuire. Est-ce que ces gens qui sont au service de Kabila au sein de l'armée accepteront de regarder Bemba les faire sans pour autant créer un coup d'état ou un truc comme ça qui fragilisera le président Tshisekedi? Tout éviter. Et ça va piste à réflexion, hein, tout éviter à voter parce que tout peut arriver. Maintenant que Bemba arrive, Bemba a des défis notamment stratégiques, peuple congolais. Nao est allé infiltration. Il sait qu'au sein de l'armée, il n'a plus des hommes de confiance comme ça a été le cas il y a quelques années. Maintenant, il faut d'abord qu'il renoue en mode confiance avec ces gens-là ou qu'il impose Batnaé à Sikao Bakoya pour pas permettre Yerasa Nini à Banako attaquer par rapport à plan Oya pour définir le domaine où il y a sécurité. Pendant ces temps, pour tout le monde, hein, bah, toi, EAC, bah, y'a, en connivence, na Rwanda, tout ça, Ouganda, en connivence, na Rwanda. Maintenant, Bemba, à côté, na période, yo, EAC, Zali, Sadek, Ngeya, Angola, Zoya, Ouganda, Rwanda, bah, déjà, soutenir, tout ça, et avec ça, il y a encore des Rwandais qui ont été déjà ici. Bemba doit prendre beaucoup de temps de réflexion et d'analyse. Il y a bien pour permettre à ça, Nini, peuple congolais, à quoi est la piège à mon gounate? Pour la minute, Kagame a ça déjà crise. Mwanga tchou bakangie, bakoum koukanga batou de gauche, bakoum koukanga batou de la katabilisme, la dossier à mwanga tchou bakanga bango e belé, kanga ou lelo, bakanga bango e belé. Ça fragilise Kagame. Est-ce que Kagame laissera Bemba venir s'imposer? Je tiens que tout le monde sache que lors y a Bitoumba RCD Goma, Bemba, Kagame, Museveni se sont retrouvés. Ce sont des gens qui se connaissent très bien. Maintenant, ils ont des alliances qu'ils ont conclues dans le passé qui peut-être n'existaient plus. Est-ce que Bemba a le courage de pouvoir attaquer le Rwanda, attaquer Museveni, sachant qu'il y a quelques années, ils étaient alliés? Là, maintenant, interviendra question de loyauté vis-à-vis de la République, vis-à-vis du président Tshisekedi qui lui a fait confiance. En ce moment, plutôt en ces moments des crises sécuritaires. Pendant que plusieurs zones sont occupées. Pendant que les autodéfenses continuent d'attaquer, de terroriser les terroristes. De les neutraliser où ils sont. Bemba acceptera-t-il de prendre les risques de pouvoir attaquer ses anciens alliés, notamment des militaires qui, certains Ougandais, Rwandais, sont intégrés au sein de l'armée congolaise aujourd'hui? Ce sont des questions à ne pas éviter. Maintenant, il y a des gens qui disent, dans le réseau, dans les médias, oh non, n'est-ce pas que les gens ne sont pas en train de encercler Kingakati, à démobiliser Kingakati, à les militaires ne sont pas en train de faire tout ça. Et puis, à la fouille stratégique, na kati ya ferme à Kingakati, na ferme à Kashamata. Si c'est le cas, Bemba n'aura pas à les dire. On verra les actions. On verra les actions qui accompagneront. C'est pas inévitable. Si jamais Kingakati ou Kashamata construirait un danger pour la République en termes de Mouba Binemi, Mouba Bindoubi, Mouba Mouba Tchouchou, si à Kingakati il y en a, si à Kashamata il y en a, Bemba ne va pas s'empêcher de pouvoir aller là-bas et vérifier. Maintenant, au regard de la question qu'on a posée, voilà. Le président a placé Bemba dans le Michoyo. Bemba fait peur. Fait peur Nabatou de par son nom. Bemba fait peur. Maintenant, on voit que Bemba va zobanga. Même na Rwanda, na Uganda va zobanga. Na Yoki que M23 a préparé communiqué. M23 a préparé communiqué. Ça s'est dit déjà dans les couloirs côté M23. Ndengeni bako, bako le bao, Bemba Zaki, ancien an, tout ça. Mais qui disent pas le M23 ne dirige pas le pays. Les M23 sont des Rwandais, ce ne sont pas des Congolais. Ils n'ont aucun droit de pouvoir ouvrir leur sale bec pour s'en gérer aux affaires du Congo. Ils n'ont aucun droit. C'est le pays qui est dirigé par Tshisekedi et non M23. Donc, ils peuvent planifier, mais ils ont déjà peur. Le fait de pouvoir chercher à attaquer Bemba prouve déjà qu'ils ont peur. Le président a également nommé Bemba pour s'assurer que des gens qui partagent le même point de vue politique que Bemba vont devoir voter pour le président. Parce qu'ici, il est question de planifier la campagne du président. Question d'aménager le terrain pour l'arrivée du président pour son deuxième mandat. Il est question de mettre tout
au profit du président. Il est aussi question d'étouffer toutes les ambitions qui tendent à arriver à Nini, d'un niveau IA présidence. Le président doit s'apprêter et il doit s'assurer que Batoua Zobo n'a pas de problème de voir Banjok n'a pas de problème. Maintenant, on regarde la question. Jean-Pierre Bemba est censé se démêler de cette histoire et se mettre au-dessus pour d'abord vaincre l'insécurité et des problèmes de sécurité qui guettent le pays. Pas seulement dans l'Est, mais aussi dans les autres parties du pays où l'insécurité est continuée. On a continué la vidéo à Jean-Pierre Bemba. Où est-ce qu'on a détermination, en vrai, du point de vue technique, stratégique, c'est un profil adéquat. C'est un profil idéal pour la défense du pays. Après, on ne sait pas, après avoir passé autant d'années dans ces pays, est-ce que mental, les agarres, nous ne savons pas. Mais après, il est rentré quand même depuis 2018, il a vécu tout ce qui se passe au pays. Il sait peu, peuple congolais. Ok, il faut être à la hauteur. Il y a des filles. Oh, je mets de côté des alliances, je mets de côté des connivences, je me bats pour mon pays. S'il faut fouiller Kingakati, où est le problème? Il n'y a pas seulement Kingakati, pour moi, on va dire arsenal militaire, nanda quoi, Mwanga Chouchou. Il faut battre tout, oh, bah, nanda, bah, nationalité douteuse. Nanda, oh, bah, nationalité congolaise à 100%. Hein. Et c'est nous qui fouillons, bah. Pour les gens, ils ont quitté un espion, ils ont un RTNC. Des Congolais sont utilisés par des Rwandais pour acheter des fermes et des terrains du côté aéroport pour héberger les Rwandais. Ils construisent des maisons mieux clôturées, tout ça sécurisé pour héberger les Rwandais. Maintenant, s'il y a des Congolais qui sont dans ça, on ne sera pas là pour choisir, non, bah, fouiller, bah, Rwandais, bah, Congolais, non, non, non. On doit fouiller tout le monde et nous encourageons Jean-Pierre Bemba dans ses nouveaux défis. Dans cette vidéo, il y a Jean-Pierre Bemba, tout partagé émission. Pour n'avoir des ressources, à côté. Et puis, tu vois, bah, pour avancer dans l'actualité, il y a Poko Yaneno. Landa, image où il y a Kala, il y a Igwe. Tango, RCD Goma et Bandi. Et le premier président Kabila a sali pour la mission. Démocratie n'est pas la mission. Pourquoi tu as vu le bout qui fait sa démocratie n'est pas la mission? Oh, tu le parti qui me boga. Non, la tchèque, je suis le tabajon Rwandais. Kabila fait. J'aime Kabila Renan. Chef d'état-major, on est en normal, puis le bas congolais, chef d'état-major à la Rwandais. Non, la pista qui, non, la pista qui armée la mission à tabajon Rwandais. Il fallait Kabila. Si quoi, attends, pourquoi ça pour nous? Et le premier président Kabila a sali quoi la mission? Démocratie n'est pas d'abord à la mission. Pourquoi tu as vu le bout qui fait sa démocratie déjà? Oh, tout le parti qui me boga. Non, la tchèque, je suis le tabajon Rwandais. Kabila fait. J'aime Kabila Renan. Chef d'état-major, on est en normal, puis le bas congolais, chef d'état-major à la Rwandais. Non, la pista qui armée la puissance en tant qu'à Renan. Wana est un discours, il y a 98. Gana, quand on a une zimbo, on met une assise, on a papa Bemba. Iyo, on a gagné un mot, iyo, papa Bemba, Zali Moto, Si vous avez moto, oh, bah, tu vas au Yemba, ou bah, tu vas au Kouba, ou est-ce que tu vas vivre, en gros. Tu es bien qu'au fil des temps, bah, tu vas l'emba, bah, tu vas s'affaiblir, ça, mais le mental d'acier reste le mental d'acier. Bemba continue à faire peur na bato tout au bail qui va côté na Congo par magui. Na ba constitution na ba wé ya konjuluka wana nyoso ba bomba ba rwandé na kati wana. Bemba fait peur à ces gens-là. Il faut qu'on dise la vérité. On a analysé, on vous a posé les problèmes, donc on doit tirer ba conclusion là. Mais sachant également et retenons ce soir que Bemba continue à faire peur na bato wana. Ba guerrier au Bemba ça na ba ngo certains sont au Congo Brazzaville. Bamsouba na kati ya Kishasa wa, bamsouba na kati ya Poto, bamsouba na kati ya armée congolaise, baza partout. Si Bemba veut aujourd'hui le rapatrier au pays, et puis même son rabbi qui bon ok ba konda ko zo ba ngote Bemba c'est dans bas déjà mang balang bata. Bozene dongo imese nzeka na sina lobaki Bemba akoko ki na moins de 2 semaines a formé batwa na bisika bazali a ina bango bitumba ici. Bitumba esili. Oh, les alliés opportunités, ma pessi yo igwe, o s'affirmer que yo zaka ka igwe.
Ba pesi opportunité on dit ni ça ba touke eza age te nezo ko affaibli to pe zo ko bungisa bolingo mboka te. Hmm? Eh. Nazaki ba groupe WhatsApp mo boye. Ba tongo ba za ba to ba opposition ya fachi. Ils savent pas que c'est moi. Pour moi, ils ont des filtres. Ils ne savent pas que c'est moi. Dans un groupe WhatsApp, wana, oh, il faut tout faire. Il faut tout faire pour nous. Déjà, la communication, il y a ma cassie. Pour nous, il faut tout faire. C'est un homme très dangereux. Il parle de Bemba. C'est un homme très dangereux qui peut ressortir des cartouches là déjà et ça ne sera pas bien. Natal, ma médecin, on a vu le monde. Tant que vous avez ma B. Le pays ne vous appartient pas. Les paniers circulent encore. Ne pensez pas que vous allez le président Bokoleka, Tokoleka. Et vous tous qui vous mettez ensemble pour détruire les pays là, vous payerez pour vos comptes. Hein? Vous comme trop trembler. Là on coûte à peu si discuter que oh bon gars igwe, na yoki de ba runo kana ba groupe en ba parti na ba wana oh non, première activité est à nord qui vous. Toujours qu'on souhaite ça la solo. Toujours qu'il y a que première action naïe et vous allez descendre dans Nord Kiv pour na ko visiter ba base militaire non sur logistique ou ya ba FARDC et bandi igwe zwa bango kuna ba ya bo kita na Nord Kiv ngana lo bango eza black tea. Je n'ai pas le temps ya ko banda distraire ba vraiment connait vos amis na bande kwa mikolo boza ba mikona ngana age. Bato ba na age nanga ba za rebelle dans na émission parce que je sais voir ça dans le dimat. Hmm? Bato ba na age nanga na cette news ba za rebelle. La plupart bato ba na ba papa nanga na ba maman nanga. Donc je ne viens pas vous mentir. Ces gens là n'attendent pas bango ba guerrier wana. On n'a pas le temps à perdre. Oh non, les Rwandais, il faut éviter le message de haine, discrimination non. Ils ont pour sein de l'armée Makila et Gangi. Makila et Gangi. O ya za Rwandais. Oyaza Congolais, Oyaza Ouganda, Oyaza Burundi. Na ba stratégie e ase aye nango. Ya kokota ko assiéger biso, ko banda ko servir de soutien na ba terroriste ya armée rwandaise. Ya Kagame, squelette vivant. Ba stratégie wana nyonso ya EAC, ko pesa bango ba tenue militaire na bango. Ko lata, ko pesa, donc ba komi no kwa ba sangani po na ko embrouiller biso. Igwe okitakuna. Ozu batuana. Makasa ya pamba. Bako fiyotu la yango boye. Ma ya kasa na tango bako tansana miso. Soko za ekranje miso yekufi. Na bato no strategi mususu. Soko za ekranje miso yekufi. Soko za kongole miso yetika li polili. Yoka nga tre bien. Ile se bien. Nenga zui ministera na ile se. Ile se tre bien. Ya pa de blague. Il n'y a pas de blague. Aïe bien. Bozu batouana. Boye na bango. Vous nettoyez. Au moins, nika tango baninga mamba no kasa onke. Ba bandi teste kuna ya molimo spiritualité zo ganga. Bako kima kongo bango moko. On n'a pas se justifié autant devant les Rwandais ou la communauté intercriminelle pour des histoires où nous avons pleinement raison sur toute la ligne. Non! Non! On n'a pas à se justifier, on n'a pas à se plaindre. C'est un peu comme si on manquait des cartouches ou on manquait des réserves, on manquait de manières ou des stratégies. On n'en manque pas. Ce n'est pas des moyens ou des stratégies qui manquent ici. Mais les Kabou et Robin d'un dossier au Moulaï, aussi ton Lembi. Ton Lembi, qu'on soit avec explication, oh non, et assez, non, ça dère, t'es angolande, et t'es bonaboué. On n'a rien à foutre. Bazoua tout bazoua ba gomana mutuki ba contre nos crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Mais so bazoua ba koko wana, ils n'ont aucune preuve que za ba koko monté bomba ngo ici ni ansani. Ba ka sa ngo mikolo ba bande bazo kufa lo ba soso, bazo kufa. Ba o ba koyoka sa ngo bisika tout bazaza na Kinshasa na Rwanda ko kima ba ngo bazonga Rwanda. Parce qu'après ça il faut faire le tour du Congo. Pour la profiter ba arménien so. Bisika tout ba e faire bisika bazali ko découvrir bango. Ko benga na bango. On n'a plus à blaguer. Boka Mobimba, on est en train de pleurer pour la nuit, pour Toba en Kagame, pour la communauté intercriminelle à Pony Kagame, et on va se plaindre. On va se plaindre pour ça. Ils ont des intérêts qui les lient. Nous, on n'a rien à foutre de ce qu'ils font là-bas. Tout ce que nous avons comme devoir, c'est de protéger notre pays.
de le défendre jusqu'au bout. C'est ça. Donc, Jean-Pierre Bemba, Tchéwana, peuple congolais. Et c'est un peu comme ça, tout le monde est oh, vous avez fait en 2009, vous signez par accord, vous avez fait un peu de temps. Pour vous dire que vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de vengeance, vous avez fait un peu de temps. Vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps, vous avez fait un peu de temps. Sinon, vous avez fait une tension, vous avez fait. Hein? Pourquoi bien attention au Koufi? Eh! Sauf ma Bible, on a signé Mino. Hein? Quand on a dit que le guerrier est équateur, le dossier est fazaraté, est fazé. Vous avez obligé de quitter le Congo pour vous faire. Même si on a tombé dans la période de bien, et c'est qu'il a mis affirmé. Oh, parce que nous qui n'a Russie. Oh, t'es ma drone américain, ma drone chinois, j'allais dire. Oh, non, mon amour, tout ça va qu'on s'en bat en go. Pour la nini. Pour la koubou de la mboka. Bemba est capable de créer un front yé moko. Deba ministre Otolinga. C'est pas les ministres qui ont besoin d'avoir communiqué. Oh, non, l'armée est infiltrée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plusieurs militaires rwandais. Et tout ça, nous sortons les livres blancs. Et on dormit, on est gens debout. Hein? Donc, ce qui Bemba a mis engagé sérieusement, Bitumba Oyoko Sila, quand on a bien on a Zokoloba. Parce que là, le président a défié la communauté internationale. Bah, on a dit que Bemba a mis à commun à Rosa sur le côté, à droit au Mundate, et le côté, bah, Fandisi et Bache et Oana, sans utilité. Maintenant, le président défie le monde entier pour dire au monde que le pays a encore besoin des services de Bemba. Je le place là-bas, il doit travailler pour son pays. Maintenant, Bemba doit prouver qu'il mérite la confiance du président et celle du peuple congolais. Ma matériel est son bami. Ma bloc est son bama. Mais moi, je ne tiens pas compte de tout ça. Parce que ma bitouba minouki, ma tanga babi bébé. Oh, drone qui est filmé, autant de morts, bouenaboué, bouenaboué. Mais maintenant, si Bemba, au moins, il y a soldat à Bemba, ma koufarate, ma kimande. Bah, qui m'a parce que l'idée d'un robot qui ne pouvait plus rien faire. Ils ont tenté une fois qu'on sécurisait celui qui était là. Mais apparemment, bah, c'est pas qui va ordre qui va libérer. Va libérer. Bah, quand on a été comme un crime de guerre, bah, quand on a Bemba ne voulait pas de ça. Bemba sait comment procéder. Il sait comment procéder pour mettre fin à toutes les manœuvres, à tous les magouilles, il y a Batouana Nyonso. Si Bemba décide aujourd'hui, on parlera du M23 définitivement dans les passés. Et exactement, encore mon amour était. Si Bemba veut être sincère avec le peuple congolais, il sait comment procéder pour mettre fin à définitive à l'insécurité. Je n'ai pas à lui apprendre ça domaine naïe Bemba botama guerrier ngana tout ça. N'a pas ça non détail était pour ça dossier tout ça. Donc Bemba botama guerrier. Bembaza master na bisote. Bembaza master ya bato ba signa ba akon na 2009 na ba M23 AT. Hein? Donc les Congolais. Ba on va signa ba akon ba on va kanisa Bemba. Ba yeba ke ba akon so Bemba za kin on place na ngandi mangote. Ba kangisi na 2008 ba tika na 2009 ko signer ba akon. Pendant c'était na 2008 wala ba taganda ba za kin ba bras droit ya pouvoir en place. Bataganda Bosco. Il faut comprendre un mot. Sauf qu'il est obligé, bon, ok, je décide au nom de mon père, ou la koufa natire, comme on a eu bébé, n'aïe, tu peux pas voir la warka. Kanda nan an go dossier à papa nangaï. Hein? Sauf que, bon, ok, il faut la venger, sénateur Jeannot. Et aussi que la historique n'a pas eu. Et le peuple en a besoin. Et Zaka, slogan, t'es Bemba, c'est un guerrier, Bemba, toi, il y a des gens qui sont tous les gens, mais il faut qu'il arrive à les faire pour empêcher les pays de tourner derrière la communauté intercriminelle avec des propositions insensées, imbéciles, des dialogues avec les terroristes et rwandais. Ils n'ont aucun droit de revendiquer quoi que ce soit. Attends, Zindi, à Pamba, ils n'ont pas le droit de revendiquer au Congo. En plus de ça, ba quoi pour revendiquer ma belle na Congo. Ma belle ba tata na bango ba koko na bango ba rwandais ba koufa na Congo. Ba koko na bango ba koufa na Congo. Ba soma ma belle na Congo, ce que ba pour revendiquer ango.
il faut basique. Il faut que tu aies la Bible, 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 il faut que tu aies la. Rien à faire. Bitumba, il faut souk à la Rwanda. Ils doivent tirer des. Maintenant, je commence à avoir pitié. Il y a des Rwandais ou des Salinia qui, derrière de la Bango, les sanguinaires Kagame. Je ne sais pas si vous avez un souci. Pour qu'il y ait des gens qui ont un souci, ils ont un. Ma bête au sac, il y a un 94. Il y a un groupe qui est sous le groupe armé, un groupe terroriste. Bino. Si vous avez un souci, pour place les athées. Congo est tondi, il faut que tu aies un bon travail, tu aies un bon travail. On ne recevra plus les Ougandais ou les Rwandais au Congo. On ne les recevra plus. Maintenant, tu aies un bon travail. Ou bien, tu vas aider un Hutu à prendre les pouvoirs là-bas. Ou bien, tu vas s'imposer président au Rwanda. Et ce sera le début de la troisième guerre mondiale. Comme ça, il y aura Poutine avec nous, l'Occident en face, on verra. On verra. Bato basaka ni mingi bana mboka. Bato basaka ni mingi. Omoni bemba oui azaki na balance na Kagame na Museveni, mais il les connaît aussi mieux que quiconque. Aye bango pe très bien. Ba on est pas dans la bazo banga ye, pour baye bi payer. Bazo banga ye. Et ma kamosi ningani, ma beleza ko ningala moto za ko pela bisika nso, mutu mute ko tarte koti. Bemba fait peur. Bemba fait peur. Il faut pas mitou à battre queer. Il faut pas mitou à battre queer. Ils doivent apprendre à respecter la RDC. Le problème avec nous, c'est de les avoir reçus. Les avoir offert l'espace de pouvoir se développer et se mouvoir. C'est ça le problème. C'est ça le mal avec nous. Et aujourd'hui, on en paye. On en paye les prix. Avec des milliers de morts, sans que quelqu'un ne s'en rende compte. La communauté internationale qui est complice, c'est fini. C'est fini. Ba Congolais tout basi ba tenemi. Bino ba Rwandais. So ba ozonga bisika ba outati, nasi na prévenir bino. Ponga na bisika bemba onin sa makamboa, ba tu aupata mbangu. Na prévenir bino bemba na pas besoin qu'on soit mindou qui poa ki obunda kuna na ST. Il n'a pas besoin, il a tout, il a tous les atouts, il a tous les moyens pour vivre dans le libre, pour disparaître dans la nature. Alors retournez chez vous. Retournez chez vous avant que ça ne soit trop tard pour vous. Pour vous tourner, c'est nous rosalaté. Tant que vous allez guérir, vous allez si vous allez vous compte, vous allez faire des choses, vous allez faire des choses, vous allez faire des choses. Maïma, il pousse ça, tout avancer. Bon, on a dit là, on a spirituellement, bon, on a dit là, on a prévenu le bino. Bon, on a dit là, c'est un chantage, mais je vous dis la vérité. Nasina va la bino comment quoi que non il faut battre baya babo ba Kinshasa pour nous protéger Fachi tout ça na va la bino ndelo ça mais la Rwanda en Rwanda donc mon Luca eh Brazzaville ça to ça ou mulili eh te to kina Angola ou mulili et maintenant ba guerrier ba ko tambola partout na molimo ba ko détecter bino soit sort na bino pour ko définir en bino moko to vous avez to vous avez déjà mort nous demandez pour définir sort na bino. Na encourager bino pouka sonité pouka ote bon asa ministre tout ça soza ka traître na ebisio zonga Rwanda va yinde na yo zonga Rwanda va yinde na yo oto yo ka kite ote massacre ya ba mbwa na ba puku na Congo tonga tabo na makolo pam 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 moi ba makero le quoi ciseau. Na, 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 na
Maintenant, ton table, c'est quand tu es au Canada. Ton table, c'est quand tu es au Canada. Na keina est cher compatriote congolais. Bandeko yangai ba de père na ba de mère. Ya autodéfense. Peuple congolais. Bandeko ya autodéfense. Libé bali bonga mbutu mbutu na terrain. Mbutu mbutu. Bande kwa autodéfense ba bomi bango lelo. Banyati bango biloko. Non, c'est une image, hein, tout partager l'émission. Tout ça, le territoire est à Masisi. Bisika, bande quoi, autodéfense. Bah, et bien, à Konyata. Rwande Moko, avec ceux qui comptable, ceux qui peuvent inzulukable, combo, combo kilométrique, le roi à ceux. Comment on a EIB, Easy Busy. Moi, je me disais que c'est ça, quand on n'avait aucune idée. IBZB. Hein? Il y a un combo. Il y a un combo IBZB. T'as les longues, il y a un zoulukable, le roi, ma papa, il y a un zoulukable, il y a un monde, il y a salité, t'as là. Pour que mes messages, dans la routine, dans la photo, yo. Bande quoi, autodéfense, ma bendi est parti à Molimo. Aza qui n'a bureau, n'a rien, aza qui est administratif. Aza administratif, peuple congolais, azali. Rwanda ou Ugande. Azali administratif na niveau ya Rutshuru. Bandeko. Ya autodéfense ya Mai Mai. Ba bendiye a parti ya bureau. Oh. Au moins place bato ba banga ka bato ba banga ka Mai Mai. Kagame ye monde azana yebi ya ko mekate. Dossier komi na suka. Dossier comme qu'on se la verrouillé. Bah, on souka wapi. Moyen wan datin da soussoubou, exacte. Mikolo ba stopper renforcement ba M23. Comment on va comme qu'on disparaître, bah, quel wapi tout ébite. Bah, comme qu'on kima. Oh, ibizi bizio, soki ibuzi biso ki ni yo. Eh, nzamba lola. Zwa lo kumu papa. Kumi sama kolo, sanjo la man na ngwende na waya wokondi. Ba auto défense ba attirer yé na moli mo bisika za ki ba bimisié li banda ba nyati mbuma. Ala mukaya ko finyo ko bomane ba mesana. Aya ko pesa ba éclairage nenga ba mesana ko sala ki éclaireur. Voilà ba terroriste et armée rwandaise. Peuple congolais. Ala muka. Aya ko pesa. Ba information. On est rwandais, on a tiré commentaire, on a bloqué un balamoko. Bah, tu vois, quand ça que. Bande de autodéfense, bois, bilombe, bande de nanga, maïma, nzamba, koba, ko pambo, labino, akoba, ko salabino, et aminene, après sabino, gomo, imolaï, pour elongo, le ko la peuple moko, oyazali, déterminé, te remettre hors d'état de nuire, bangouna, nyon, so, ya République démocratique du Congo, et te rokende liboso. Vous avez la photo, vous avez la poste à photo, il y a Ibizi Bizi, ceux qui Ibizi Mana Bizi, congolais. Vous comprendre. Ma camoune est allée, Koleka. Ah. Nanoba, il y a Binonin. Nanoba, qui que. M23 a préparé communiqué contre la nomination à Bemba. Hein? Peuple congolais. Awa Rwanda, où tu peux déclarer Bemba Zali, ancien sort de guerre. Azala droit comme ministre. Donc, franchement, Kagame,
Tellement ma vie c'est à mon tournoi, ça les a brouillés, brouillés, brouillés. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Donc maintenant c'est à Kagame de juger qui peut être ministrable ou pas au Congo. Tala bisika folie et bandit. Folie a consu qu'on a décapité yo moutou Kagame. Toko ta tina en Rwanda. Bitoumou bisika bandit bisika to aussi sa mou. Maman dounda la bakwey. Pour qui m'y a kote na mboka ou. Toko ta tina en Rwanda. To kati moutou na to pesi en mou na bakorbo. Tala Kagame, tala. Tala, tala, tala. Donc, alors, si nous avons battu dans le monde, nous avons actualité, et nous avons battu dans le monde, actualité, tigala kaka na Congo. Actualité, à Kagame, tigala kaka na Congo. Et bandio, bah, on vous a distrait dans le monde, et puis nous, tant que vous avez dit, vous considérez que vous êtes traître. Vous classez dans le cas de traître. Parce que vous êtes traître contre le monde. Maintenant qu'il y a des histoires qui se mettent ensemble, il y a des stratégies qui sont réunies pour aboutir à la paix, vous vous en foutez de tout, et vous allez vous dire qu'il y a une élection. Il n'y aura pas d'élection. On m'a dit que vous allez vous faire trouble pour une élection. Il faut que vous allez vous faire un ciment, et puis un ciment, ça va. Il n'y aura pas d'élection. Vous allez vous faire un poste, vous allez vous faire un poste. Vous allez vous faire un poste. Vous allez vous Mais aussi, la carte dans la carte. Hein? De quoi autodéfense, n'a pas respect mingi pour na yo. Hein? N'a pas respect mingi pour na yo. Puis tu m'as mis dans vos oreilles, mené à ta le ba fouti bino te, l'obimbo ke foutu bino. L'obimbo ke foutu bino. Oh, ba spectacle, vos oreilles, ça va chaque jour na Estewana. L'obimbo ke yo, cause la reconnaissance pour na bino. Tout le monde. Non, tu couffes, tu as un nom sur le sol. Tu as un nom. Oh, Kagame s'est agi déjà trouble. Agi trouble. Au moins des abos, mais quand ils ont regardé mon vidéo, il y a Bemba et Kalezo Bima. Oh, seigneur de guerre, oh, criminel, oh, bon, 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 après remise et reprise dans Nord Kiv. Toujours pour encourager les Igwe. Pour essayer de qu'on y ait biloko, qui m'y a écouté. Essayer de qu'on y ait qui m'y a écouté. Et tu es libre mingi. Tu vas couper mingi. Na mouchaki, na wapi, na kishiche. Tu vas massacrer. Si tu es comme ça, tu vas massacrer. Tu vas massacrer qui peut vivre. Autodéfense, respect. Respect pour la autodéfense. Dossier Mwanga Chuchu. On m'a dit trouble au Kagame à Zoko Lakisa. Hein? Donc, ma kambo koti lo yenge na Rwanda wana. Et za po moko. Yaba protagoniste. Na ye. Ba lié na ye indéfectible. Ah, ba na ki ko ronge tiseke de yo sou azo fou la po tiseke de yo ka douleur on an zoto te. A découvrir un pat na yo li ko lo an zoto te. Mwanga Chuchu. Ba umukamate ye. Trouble koti. Ba M23 ma komi sugo na katia louenge. Il commence à fuir de même. Na esi nobo ke o 20 information yi bizi. Biso ki yi bizi bada bouzou yo. Ba bendi ya parti ya bureau ne wa misye di banda ba nyati mbouma. Kendo o 20 information. Libe ba libonga. A ma sekeza susute. Dossier Mwanga Chuchu. Filimbi. Donc on a un banda kala ba groupe et ba mouvement citoyen on a ni financé ka bango bazoka financement wapi bo finga sunde bo finga wana me mkomoza ni na ozato ko ba ah mona mo soto bando finga e me abane ko sa musa na e malamu mona mo soto bande ko finga to bande ko denigrer ye to bande ko rabaisser ye me abane ko sunga biso na ba information ya solo solo. Na tout na abiso chaque fois. Batu oyo ya nani oyo ya mouvement citoyen oyo. Bazwa ka ba financement wapi. Bazwa ka ba financement wapi. Na tout na abiso. Lelo oyo direction ya Filimbi. Peuple congolais. Et où tu ko suspendre? Moi, je suis un peu comment vous avez mon boulot, moi, ma maman, mon papa,
Comme on m'obulu, moi, on attend, on est busy, baza busy, soki busy, mana, bouzouzege, soki nini, ruga, riga, busy, mana. Compliqué. Dossier, moi, nga, chouchou. Chers compatriotes congolais, Filimbi, vous allez mouvement citoyen. Aouti, peuple congolais, qu'on suspendre mi balé à ma collaborateur naïe, Filimbi vient d'exclure définitivement deux de ses militants de Goma accusés de soutenir les députés Mwanga Chouchou et suspectés pour collaborer avec le M23. Ces deux personnes sont interdites dès ce jour à engager les mouvements de façon directe ou indirecte, c'est-à-dire de poser tout acte au nom du mouvement ou s'afficher avec les insignes du mouvement. Ils sont d'ailleurs placés à la disposition de la justice pour plus d'informations. Nalobaka, 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 bawofin na mena koloba. Mwanga tutu yo moto ekopela. Moto ko ba branche ezali ebele. Azali nzete zo ko bomba banani. Zamba ebele. Mwanga tutu abomi ba dossier sensible. Malheur à tous ceux qui continuent à propager au nom le président l'a fait arrêter parce que il avait financé ce qui 200 millions pour construire nani comment on a nani. Ce qui maison présidentielle, son palais présidentiel. Oh. J'ai continué à insister. Tu sais qu'il peut prendre les 16 milliards du budget, la mettre dans sa poche et faire tout ce qu'il veut. Personne ne viendra porter plainte contre lui. Écoutez très bien. Il peut prendre les 16 milliards là, il empoche ça. Ni moi, ni plus, ni moins. Maintenant, je pose la question. Les 16 milliards, il peut prendre 200 millions. Pour ton palais présidentiel, il doit faire recours à Mwanga Chouchou. Ça, c'est ridiculiser les pays. Ça, c'est rabaisser et sous-estimer les potentiels que regorge mon pays. C'est quoi, bande de l'opposition? C'est quoi cette façon de réfléchir? Bah, fake, besoin de propager, en gros, besoin de croire ça chaque jour. Oh, tu sais qu'il dit, partenaire, il y a Mwanga Chouchou. Bon, bah, toi, le kouta. Bon, bah, toi, le kouta, il y a siècle. Mais bon, vous savez quoi? Si, bah, toi, président, ça va dire qu'un bon, ou à Fatiwana. Bah, quoi, ta kébinoté, nous sommes là. Nous sommes, on est plus obligés à aller à Mboka Fati pour tout travailler pour Mboka la mission. Fati a un Mboka, un millionnaire, un Moussouni. On a Kimi à Mboka. Mais nous, opposition, nous avons connivence dans la République. Jusqu'à ce que vous établir ma limite, 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 Mwanga Chouchou, deux militants à Filimbi, va suspendre Bango définitivement, va exclure Bango plutôt définitivement, et en plus de ça, va disponibiliser Bango pour la justice, pour la enquête approfondie. Va aller suspecter d'avoir collaboré avec M23. Tout le monde a mis un financement WAPI. Et bah, mite, bah, 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 tout ça, bah, œuvre caritative. Oh! Yango, on a été à Zumbo, on a passé par mouvement citoyen, on a ça, on a tout ça, on a dit qu'on manipulait, qu'on créait trouble dans la division dans le quartier congolais. Pour nous, on ne peut pas soutenir. Mais maintenant, on voit un Zamba dans la quartier. On voit un Kangi, et si on voit qu'on pousse à dire, on va voir un Zamba, on a Sima. On pousse à dire, on tient dans ma cala. On a Zamba, on a Sima, on a Eba, Filimbi, on a Nani, tout ça. Hein? Bon, gamin. Parce que vous exclure au bateau que vous disponibilisez par la justice, ce que vous avez à suspecter, non. Ils ont eu des preuves. Baboy, que vous avez un mouvement, vous avez suspendre l'existence par la République, vous avez mis une vision, vous avez dit, 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 Malembe, malembe. Malembe, malembe.
Administrateur général et agence nationale de renseignement en Boka Nabiso. Moi, en Boka Oyo, Jacques a zoko protéger sécurité à Fati. Bah, service non sur renseignement et sécurité. Il y a Boka Toko saluer engagement Nabino. Il y a qu'on démanteler bah réseau bah infiltré. Bah, on va zoko fragiliser Boka Nabiso. Merci na Moussa Bozo Sal. Merci na Moussa Bozo Sal. Boka Zay a Biso, Boka Zay a Bamote. Ah, tout le bâté, oh, t'es bon, la bâté, t'es grimacé, t'es menace pété. Et si m'bâté? Et si m'a sauté? T'es? Tant ils ont révolu. Tant ils ont révolu. Vous te montez au cours de la vie, t'es menacé par ton sang, au cours si. Au cours si. Manga chouchou. Attends, ben, il y a une chance là. Pourquoi pas qu'on y manga chouchou? Il faut pas qu'on en ait mon tout tel. Et si l'arrestation de Mwanga Tchoutchou peut mener à l'arrestation à Moutobino Bozoko souhaité, où est le problème? Où est le mal? Si son arrestation peut pousser à mettre la main sur les socles et la pierre angulaire dans laquelle il y a infiltration à Mboka Nabiso, où est le problème? Où est le problème? Malembe, malembe. Mais dans tout ça, le pays risque gros parce que Mwanga Tchoutchou a un partenaire et Bélé Kolega partenaire et un gouvernement. Et même s'il y a des gens qui refusent de venir investir au Congo, c'est à cause du lobbying de Mwanga Tchoutchou, de la minerai à Ofele, de la Kamola, de l'Occident. Maintenant, les Congolais doivent se mettre ensemble, parler suffisamment du dossier Mwanga Tchoutchou, éclairer davantage le peuple congolais. J'ai demandé également à la haute cour s'il y a moyen de pouvoir mettre ces procès publics. Comme ça, tous ceux qui sont encore en train de débuter là, oh non, bon, on va voir, on doit se positionner comment, on sera où, on sera pour qui, contre qui, qu'il sache que Mwanga Tchoutchou Azali Moko yaba père fondateur ya M23. Alors, na moment wana ta voye bakaza mouto M23, il faut déjà pour boire kaye mupandi. Pour ce procès, les kalamoulili, il se peut que va tout bas à la désorienter l'information. Ouais, Azali, na respect au sein de la haute cour, soit yon kontime la bisou yon kouzaman malam ou mingi. Et ouza malam pe mo tout yapon nan bo kanabisou. Et c'est notre ça, ce sont des faits marquants. Tu sais que dans l'équipe de pouvoir, il y a eu des procès spectaculaires, il y a eu des procès historiques, il y a eu des arrestations, il y a eu des peines capitales. Il y a eu des changements radicaux. Hein? Peuple congolais. Il y a un autre au sein que haute cour à sa la nyonso. Sera au tiers ce procès à temps public et au sunga biso. Pour la boulam, il y a connaissance dans le congolais. Tout le monde a la confusion, il y a ignorance, tout soutenir bango dans mon sable à zoko sable. La Sina Lobaki, tout ça vendredi d'ici, l'obit au fait d'ici dimanche, pendant rendez-vous à week-end, je pourrais annoncer si on fera ou pas la marche, on soutient la haute cour, peut exiger pendaison publique à Mwanga Tchoutchou. C'est notre pays. C'est notre pays. Hein? Bah, intimidation? Nous devons avancer. Et dans la vie, quand on avance, il y a certaines pratiques qui tombent. Certaines habitudes qui tombent, certains problèmes qui tombent et on avance. On peut continuer à avancer jusqu'à aller atteindre le sommet avec les anciennes habitudes qui nous lient, qui nous ligotent. Non, non, non. 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 Hein? Peuple congolais, soyons prêts. Nous devons consulter au Tshisekedi dit, à Kangisi Mwangatu, tu pourras régler ma compte. Oh. Quand Mwangatu, tu as signé selon Kamere, bah accord. Na gouvernement, il y a 2009, qui était Tshisekedi Félix Tshilombo? Qui était-il pour le pays? Hein? Vous savez, hein, tant que ça, il m'a bien. Au moment qui m'a bien, il a commis pour tourner contre eux, on ne voit qu'il a un gros bangouna. On ne voit pas qu'il a un gros bangouna. Mais si vous ne voyez pas qu'on comprendre petit à petit, si vous voyez qu'on voit M23, ma fouta imati. M23, ma fouta imati. Toujours encourager autres cours militaires, toujours qui suivent les informations sous la presse, encore un dame pour les stratégies militaires, toujours qui était Bounaga, Namboutou, Moutoussi et Koti, arrivé, il y a une autodéfense pour observer le milieu, les maïmaïs serrés,
repéré par la population à Moyale ou à Bunagana. Ma kota qui semble-t-il pour n'appuyer bana aux mouvements et à bas terroristes et à armée rwandaise. Je crois vous avoir dit ici que Makenga a traversé qui Ouganda. Hein? A kenda qui toyeba qui tenzo kanda kenda qui Ouganda. Batiki ba base na bango kuna batiki ba élément na bango misusu. Pendant qu'ils sont en train de mentir que non, parce qu'on s'est retiré tout ça, le kuta. Le kuta, chers compatriotes. Tokyo que les Maïmaï auraient procédé à une opération de repérage na Bunagana. Nous souhaitons que ça soit vrai pour na bola mambo kanabiso. Pour bibe bezo utanda maya ba officier rwandais eza malamu pour na biso. Eza motu ya mingi pour na biso. Soki moke na woti na Bunagana eza malamu. Le roi Igwe pe ayer Barcelona makoku esengen na molimo wana pour to kota de Rwanda. Comme ça Museveni a osa la crise kuna. Alors ça la crise à Kokoufa. J'espère que tout est ok. Tu continues à cause de la debout. Tu continues à cause de la éveillée. Nous avons besoin de gagner beaucoup d'abisso. Et bien que nous avons besoin de la cette news, pour la fatigue, pour la République démocratique du Congo, pour la République démocratique du Congo. Tu es bon. Tobunda, tous les sujets ont communiqué. Tous ont communiqué à FRDC, aux autres services d'évolution, à Bitouba, pour clôturer l'émission. Pour la bateau, Baza suspendu na Filimbi, et Zali Batoumi Balé, je venais de dire ici. Comme la bango, Serge Mayamba Paluku, na Hervé Amani Kadaku. Hein? Hey, hey! A combo en goyo, donc, Batouani Balé, Filimbi, Alou Bazali, ba collaborateur à M23, na ya père na bango spirituel Mwanga Chouchou. A tiens, bango mupanzi, déclaration à Filimbi en goyo. Sauf à la poste, la mou, comme il y a un message, na ko transférer le pour autant, na kuna yomoko. Pour comprendre le dossier, n'est-ce pas, koleka. Communiqué à FRDC par rapport à ba évolution, ba combat. Na niveau ya franche compatriote congolais totanga yango rapidement totanga yango communiqué il y a 24 mars les forces armées de la RDC portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que les retraits de certaines localités annoncées avec pompe par la coalition armée rwandaise M23 ne constitue en réalité qu'une diversion. En effet, pendant que la communauté internationale et les organisations régionales et sous-régionales attendent de l'armée rwandaise qui opère en République démocratique du Congo sous couvert du M23, le respect du cessez-le-feu et les retraits de ses supplétifs jusqu'au mont Sabignon, comme le prévoient les différents accords des chefs d'État, le RDF M23 s'illustre par des semblants de retrait. Il s'y est de noter que la présence et les renforcements de leurs effectifs en hommes et en matériel demeurent signalés dans plusieurs localités des territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, notamment à Kichiché, Bambo, Karinga et Kibumba. Plus cynique, tel que ressorti dans leur propos, dans leur propre communiqué du 22 mars 2023, ils refusent de se retirer des Kichanga en le subornant. On le subordonna à la négociation préalable avec le gouvernement. Par ailleurs, ces derniers s'illustrent par des communications préalablement rédigées avant chacun de leurs crimes et forfaits attribuant au FRDC le massacre des populations dont ils sont auteurs. Il s'agit d'un modus operandi pour continuer à distraire la communauté tant nationale qu'internationale. Pour ce faire, les forces armées de la RDC se disent prêtes à ne pas laisser perdurer cet état des choses dont la population congolaise est victime depuis plusieurs décennies. Ndike Kaiko, Guillaume, lieutenant-colonel. Deuxième communiqué, il y a FRDC, République démocratique du Congo, forces armées, état-major. Oezali, très important.
Communication officielle des forces armées de la RDC face aux mensonges et à la ruse, la vérité triomphe. Les forces armées de la RDC ont pris connaissance des communiqués alambiqués et, comme d'habitude, truffés des mensonges grossiers traduisant la volonté délibérée des sapeurs de la morale publique internationale publiée les 17 et 22 mars 2023 par l'armée rwandaise sous l'étiquette de terroristes du M23. La précipitation avec laquelle ces communiqués ont été publiés découle de la stratégie de l'armée rwandaise de préparer l'opinion afin de justifier ensuite des graves violations des engagements et du cessez-le-feu que dehors la loi et leurs alliés n'ont jamais respecté. Bien plus, ces communiqués s'illustrent par des propos insensés qui ne tiennent pas compte ni de contingence géographique, historique, sociologique ou encore moins stratégique de la RDC. Vautrés dans leur posture injurieuse et arrogante, les auteurs de ces communiqués laissent volontairement apparaître un mépris à l'endroit de la détermination du peuple congolais de défendre l'intégrité territoriale de son pays. Cette méprise les pousse à ignorer que toutes les localités et agglomérations qu'ils occupent font partie intégrante de 2,345,410 km² de la RDC. Comme hier, aujourd'hui et demain, ces entités du territoire de la RDC ne resteront aucunement sous les bottes rwandaises, dont l'unique objectif poursuivi est la commission de crimes. N'étant pas dans la logique génocidaire comme les forces de défense du Rwanda et de leurs forces supplétives, l'effet final recherché par les forces armées de la République démocratique du Congo demeure la paix durable dans sa partie est et dans la sous-région. Contre vents et marées et par de moyens légaux en leur disposition, les FRDC y parviendront quoi qu'il en coûte, car qu'il neige ou qu'il pleuve, la République démocratique du Congo restera une et indivisible dans les limites géographiques nous léguées par nos aïeux. Fait à Kinshasa, 24 mars 2023, le porte-parole des forces armées de la RDC, Ekenge Moussa Efomi, Sylvain, général-major. Ce communiqué vient au fait, peuple congolais, nous expliquer bah stratégie il y a bah M23 mais aussi bah clairement que bah pas ça va communiquer en avance parce que communiquer bah béti comme ça après bah ça nini après bah la commanda qu'on bombarde pour bah aussi tout ça aller attaquer tout ça tout mis défendre donc on est à fond maintenant bah effort c'est parce qu'il va comprendre stratégie bah pour utiliser bah moyen yoso et le peuple congolais utilisera tout le moyen en sa disposition pour la découdre la mongouna. Le mal que le Congo a fait, c'est d'avoir accepté de recevoir les Rwandais chez lui, les héberger. Comme c'est vraiment ma tama, n'est-ce pas? En tout cas, on a malnutrition, on a ma tama et bimi bango. Ma bête, ça y a quoi? On a malnutri, na bazaraki, na katia, on quête, on a mis ça, on a poubelle, on a moutou. Tu peux se voir ta poubelle, on a batia moutou, les loyaux sur la poubelle, les côtés, on a ma tama et bimi. Comment ça t'en est la bisou? On fera tout. On ne négocie pas avec l'ennemi. Tous les gens, les charlatans de la communauté intercriminelle qui passent leur temps, ils font négocier. Ils savent qu'avec Al-Qaïda, ils ne l'ont pas fait. Hein. Ils n'ont pas fait. Zelensky et Poutine ne les font pas. Ils ne les font pas. Hein? Boko Yoka, si vous ne voulez pas vous retirer, retournez chez vous, Boko disparaître. Pour la soirée, il y aura un moment où vous ne verrez plus la frontière. Il n'y aura plus de frontières à un certain moment. Je vous renseigne bien avant. Il n'y aura plus de frontières. Dans tout cas, il y a une autodéfense qui repère qui est une gamme. Et bien, quand on a un bureau, on a un bureau, on a un bureau, on a un bureau, on a aussi sa dossier. Sauf que l'on a un bureau, on a un puissant, on a un bureau, on a un bureau, on a un bureau, on a un bureau, on a vous n'êtes pas le bienvenu ici. Ok? On a un bureau, on a. On ne blague pas avec le pays. On ne blague pas avec le pays. Les Congolais ne quitteront jamais le Congo pour aller agresser les Rwandais chez eux ou les Ougandais. Et
bah oui bien arrogance na bino et kosuka on sorti pour négocier te on s'aligne tout ça to kufa biso non to kufa bien de kufa to tika to kufa ah bon continuer comme ça on continue comme ça il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout bonne chance na ba effort de c'est beaucoup de courage pour la mon salaire qualité bonjour au salaire. Il faut neutraliser, bah, infiltrer na interne, na interne. Il faut les anéantir, na katia, na kati. Bon, tu sais, bah, on te parle, ça, bah, défection, bah, qu'on trahit, ils sont, il faut les anéantir à l'interne. Ils sont là, en mission. Ils sont pas nos frères. Ils sont pas nos sœurs. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Il faut le neutraliser à tout prix. Il faut le neutraliser. Ils ont choisi de trahir la République, non? Ils ont choisi de tuer les Congolais, non? Et qu'est-ce qu'on va faire? Et ils ont les monopoles des tueries? Ils ont les monopoles des massacres? Non, tosi la naba. Tosi la naba. Voilà, chers compatriotes congolais, pour continuer à se mobiliser. Pour continuer à se mobiliser. Pour la kimia dans le cannabis. Bazaka dans le cannabis. Tout le monde est au cannabis. Toi, Kanamboka Moko, battons-nous pour la vraie liberté de ces pays. Tant qu'il y aura des crocs à jambes partout, ces insécurités, ces problèmes, ces divisions, ces tribalismes profiteront aux ennemis de la République. Un pays puissant et fort comme le Congo ne veut pas se laisser faire devant un minuscule des pays désertiques comme le Rwanda. Non. Ou ajouter l'Ouganda et le Burundi, tout ce que vous voulez. Non. Battons-nous. Et je suis sûr, peuple congolais, que Tolonga Bitumba. Tolonga Bitumba. Pour nous, ceci est côté en action. Merci et bon début à week-end. Nous avons dit que c'était une soukoutani lobby. Pour la émission, nous avons dit au peuple congolais à téléphone ouvert. Nous avons communiqué déjà le numéro et à WhatsApp. Nous avons dit que nous émission plusieurs fois. Autotik est une occasion pour réagir par rapport à bato baza nommé remaniement salami bokanisi ni pona yango ba position ni boyo sala na ba o ba kote na ba oyo ba baza maintenu tout ça o sa ngo ba suggestion na bino pona otonga mboka na biso plus 243 97 26 17 024 plus 243 97 26 17 024. Les numéros là biso il y a WhatsApp beaucoup benga biso lobby tant pour planifier émission beaucoup benga pe beaucoup benga pour partager point de vue na bino pour na tout ngambo ka ya motu ya pe ya malamu pour na bolamu na biso pe ya bana o ba ko kitane la ka biso miko mizali ko ya ngai ndeko na biso cette news na tondi bino ngaso boton de penza pour na bolamu bozo sa na biso na présence na bino bozo ka toujours voilà pour na émission pour na fidélité au bino bozo la ka na ko ya kata mon nso ko zela ka information on attend tout ça. Merci beaucoup. Donc, on va partager la émission pour que vous puissiez contacter les informations pour que vous puissiez vous faire. Sauf que vous dites que vous avez une cassette dans le monde, vous avez un robot qui est esclave dans le monde. Vous avez un robot libre et indépendant. Vous avez un robot qui est libre et indépendant. Merci beaucoup pour l'éveil patriotique. Merci pour l'engagement, merci pour la retour en boucle à Yamalamu, Tokutani Lobby pour la suite de l'émission.